Il est 17h, heure du Gabon, et la pression monte ici dans les coulisses d'Ancho Empire. Normal, l'événement devrait débuter dans moins d'une heure. Je suis beaucoup stressée. Lorsqu'on ne respecte pas le timing, ça monte. Heureusement pour les 20 candidates gabonaises d'African Miss University, elles sont toutes déjà maquillées, du moins presque toutes. Pour ce type d'événement, il faut surtout aller sur des maquillages, je vais dire quoi, chic et glamour. Entre plusieurs passages sur scène prévus, elles ont profité de moments de répit pour relâcher la pression et faire face aux tracts avant leur apparition devant le public. Mais avant, l'heure est également à la signature de contrat. On est en train de faire signer les contrats aux filles qu'elles ont lues auparavant. Elles ont accepté les conditions. Elles ont posé toutes les questions requises. Parce que dans la compétition, il y a d'autres qui ne respectent pas les règles. Donc, il faudrait bien qu'elles soient sur contrat pour le reste de l'aventure. Parmi les 20 filles retenues pour cette finale, nombreuses sont celles qui affrontent ce concours pour la première fois. D'autres, en revanche, déjà habituées au podium, restent sereines, à l'exemple de Miss Environnement 2023. Pour ma part, ça va tranquillement bien. Je ne stresse pas. Bon, c'est vrai que je suis un peu habituée. Je ne suis pas pro, mais je suis déjà habituée. Mais je garde mon calme, c'est la meilleure des solutions. Chaque occasion était bonne pour prendre la pause et immortaliser l'instant. Sourire radieux et rire complice ont rythmé cette parenthèse. Et c'était bien parti pour la première sortie, la parade d'ouverture.